Oui, allô? Allô, oui, Bonjour, bonsoir. monsieur Cyril, comment vous allez? Ça va bien, vous? Ça va aussi. Madame ou mademoiselle? Mademoiselle Gloria.
D'accord. Oui. Apparemment, nous sommes juste les deux connectés, donc nous allons attendre un peu que les autres se connectent pour voir. Je vais essayer de les relancer aussi en inbox. D'accord, pas de souci. Ok, merci. Merci. Oui, monsieur Cyril, je suis en train de les relancer déjà, donc je pense qu'au fur et à mesure, ils vont se connecter. Je ne sais pas si ça vous arrange qu'on attende aux environs de 16h20 pour permettre qu'on ait quand même au moins la majorité de personnes. 16h20, ça Oui, fait ce sera trop tard. 1h20 de décalage. Bon, j'ai pas de souci. Non, pas Disons 1h20, je disais plutôt, pardon, 15h20, 15h20, parce que chez nous, il est 16h, Ah, à ok. cause du Oui, je décalage vois. horaire, donc 20 minutes. D'accord, c'est bon, il n'y a pas de Il souci. est 15h10, donc je dirais plutôt 10 minutes, donc dans 10 minutes, on pourra commencer. D'accord, il n'y a pas de souci. Même à Ok. 15h30, si ça peut aller. Ok, ça marche. Bonsoir, Madame Mariam. Madame Mariam nous a rejoint apparemment. Et bonsoir. Oui, comment vous Vous allez? allez bien, j'espère. Ça va. Alhamdulillah, ça va, et vous? Ça va aussi, on rend grâce à Dieu. Ok. Madame Maria, de quel lab, s'il vous plaît?
IT Lab de IIM Bamako. Pardon? IT Lab de IIM Bamako. Ok, d'accord, ok. Donc, merci de nous avoir rejoints. Nous allons patienter quelques minutes pour permettre à un grand nombre de se connecter. Nous allons commencer la formation. Ok, pas de souci. Ok, merci beaucoup. Vous en prie. Bonsoir tout le monde. En attendant, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà travaillé avec Fusion 360?
Il y a Monsieur Cyril qui demandait si quelqu'un avait déjà travaillé avec la fusion 360. Je ne sais pas si vous nous recevez. Allô? Oui, ils se Ils sont ont dû faire déplacés. certainement. Oui. Mais je vois Dakar. Dakar, je ne sais pas. Je n'ai pas encore identifié la personne, donc. Peut-être il va revenir, il va également se présenter. Bon, il ne reste que 5 minutes. On va voir. Bonsoir, Monsieur Gilas. Allô? Monsieur Gilas, vous me recevez? Oui. Bonsoir, Monsieur Gilas, comment vous allez? Bonsoir, je vais Ça va aussi. Alors, la formation va démarrer dans 3 minutes. On a décalé un peu à 15h20 pour permettre aux retardataires quand même de se connecter pour suivre un peu. Donc, d'ici 3 minutes, on va commencer. D'accord. Merci de nous avoir rejoints. Il n'y a pas de problème, je suis là. Ok, Merci. d'accord. Merci. Si tu commences par les marchés,
Ok, bon, je pense qu'il est actuellement 15h20 à ma montre. Donc, je pense qu'on va débuter pour ne pas trop pénaliser ceux qui étaient là depuis 20 minutes. Donc, ils vont nous rejoindre au fur et à mesure, ils vont rattraper. De toutes les façons, je suis en train d'enregistrer la formation, donc ce sera disponible également sur notre plateforme s'ils désirent voir cela après. Donc, je vais laisser la parole à monsieur Cyril qui va se présenter. On va essayer aussi de faire un tour de table et on pourra débuter la formation. Donc, monsieur Cyril, je vous laisse la parole. Ok, merci beaucoup, mademoiselle Gloria. Bonsoir à tout le monde. Je suis Esso Cyril. Je pense que je vais activer un peu. Bonsoir, monsieur Cyril. Oui, je suis Esso Cyril, Fab Manager du Yop Créalab. Donc, à l'occasion de cette formation interne du REFAO, donc là, j'ai proposé de partager un peu des connaissances sur Fusion 360. Donc, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont déjà travaillé avec Fusion 360. Les micros sont coupés. Oui, moi pas encore, mais j'en ai entendu parler. Je n'ai pas encore travaillé sur ça. Madame Mariam. Bon, on va faire un tour de table et on aura peut-être une idée de chaque personne. Donc, un peu le pays éventuellement. Merci. Bon, ben, je vais commencer par le REFAO alors. Bon, moi, c'est Gloria Kofi, je suis l'assistante exécutive du REFAO et je suis avec le président, M. Mignan Koubeni. Ok, moi c'est Gidas Mobula, je suis du Congo Brazzaville, de l'équipe Union Lab, et actuellement nous sommes à Dakar en immersion en vue de l'installation de nos Fab Lab d'ici quelques mois à Brazzaville. Bon, je pense peut-être que Madame Mariam va nous rejoindre. Elle a dû se déplacer. Donc, Monsieur Gidas, vu que vous n'avez pas encore travaillé à Fusion 360, les autres qui vont nous rejoindre, on aura l'occasion de voir certainement l'installation, la compatibilité avec les machines, éventuellement les équivalents, je dirais l'un des équivalents en open source. OK. Bonsoir, Monsieur Ngom. Modou, je suppose que c'est bien lui. Il ne nous a pas encore rejoint totalement. Ok, je pourrais partager l'écran. Oui, je crois que là, c'est bon, vous pouvez partager. Allô, vous m'entendez? Vous voyez l'écran? Oui, c'est bon, on voit l'écran. Oui, je vois l'écran. Je vois très bien. D'accord. D'accord.
Donc, Peter, est-ce qu'on ne va pas revenir sur le tour de table pour revoir les autres qui... Dakar. Bon, je vois qu'il a laissé un message dans le chat et nous faire savoir que oui, c'est bon. Donc, il nous entend, je pense, quand même. Peut-être que là, il ne peut pas trop parler aussi. D'accord, d'accord, je vois. OK, donc déjà, à première vue, nous avons ici Fusion 360. Fusion 360 qui est un logiciel de conception dans DCAO conception assistée par ordinateur. Donc, vous avez ce logiciel qui est également l'équivalent de FreeCAD. Donc, je ne sais pas si vous connaissez FreeCAD en open source. Fusion, il est accessible à tout le monde. Vous avez la possibilité d'avoir une licence gratuite d'essai de 30 jours. Mais en réactivant cela, vous pouvez avoir un an supplémentaire. Ou bien vous pouvez tout simplement rechercher une licence éducation. Alors, je pense qu'avec avec Google, avec des recherches, vous pouvez très facilement trouver de plus amples informations pour cette installation. Je rappelle que l'OIC il est très léger à utiliser. Il est très léger pour les ordinateurs. Le plus important, c'est la carte graphique. Et même pour cette carte graphique, pas besoin d'avoir quelque chose d'extraordinaire. Donc, je prends l'exemple sur mon ordinateur. Là, je suis avec un Core i5. Là, j'ai 8 Go de RAM. Donc, je travaille aisément. Et j'ai déjà utilisé Fusion 360 sur un Core i3 avec 4 Go de RAM. C'est vrai qu'il est un peu lent, mais vous avez toujours la possibilité de travailler dessus. Donc, il n'est pas assez gourmand en ressources. Parmi les intervenants, il y en a qui ont déjà installé Fusion 360. Vous ne l'avez pas encore installé? Non. OK. Donc là, je pense que dans ce cas, je pense que la formation ne sera pas réellement interactive. Donc, je vais faire un exemple et je vais expliquer au fur et à mesure pour que nous puissions tous comprendre. Donc, déjà, pour démarrer, vous avez l'interface ici avec Fusion 360. Donc, comme je disais, c'est un logiciel de modélisation, conception assistée par ordinateur. Sur ce logiciel, permettez-moi. Sur ce logiciel, vous avez ici l'interface. Donc, comme d'après le programme, nous avons la première partie, l'interface utilisateur. Pour pouvoir réellement comprendre le logiciel, il faudrait déjà comprendre tout ce qui concerne les esquisses, parce que pour dessiner sur Fusion 360, la première partie qui est très importante, c'est savoir faire une esquisse. Une esquisse, c'est quoi? C'est un peu comme un croquis qu'on fait à la main pour déjà ressortir les contours, pour pouvoir plus tard faire notre modèle en 3D. Alors, pour expliquer, pour illustrer mes propos, je vais prendre un exemple très basique, un simple carré. Alors, l'esquisse du carré, c'est quoi? Plutôt, un cube, l'esquisse du cube, c'est quoi? Je fais juste un carré. Je vais revenir sur ce point. Alors, voici l'esquisse de mon cube. Parce que quand on veut dessiner un modèle en 3D, il faudrait déjà qu'on se pose la question de savoir quelle est notre référence. Alors, quand on parle de référence, si je vous dis, par exemple, regardez devant, mais c'est devant par rapport à quoi? C'est par rapport à un repère bien précis. Alors, ici, notre repère, c'est quoi? Ce sont les différentes vues, ce qu'on appelle vue de face, vue de dessus, vue de haut. Donc, c'est à travers cela qu'on aura notre repère. Sur Fusion 360, vous avez cette maisonnette qui est ici, qui vous permet de naviguer dans l'espace. Et vous avez les différentes zones ici, avant, gauche, arrière, droite, haut, et vous avez ici, bas.
Quand vous cliquez sur la maisonnette ici, vous revenez à l'affichage par défaut. Donc, ça, c'est une vue orthogonale. En perspective, plutôt. C'est une vue en perspective. J'espère que vous me suivez tout jusque-là. N'hésitez pas à me couper si vous avez un petit souci. Là, je fais une introduction. Alors, donc, ici. Donc, comme je disais, ici, ça, c'est l'esquisse de notre cube. Donc, si vous voulez voir le cube, vous verrez très rapidement. Je vais revenir sur ce point très rapidement. Vous avez notre cube qui apparaît ici. Alors, comment je l'ai fait? J'ai utilisé un raccourci clavier parce que, comme j'ai dit, je vais revenir sur ça. Alors, voici l'interface que nous avons au départ. Donc, vous ouvrez Fusion 360, vous entrez, vous arrivez sur cette face. Si vous arrivez ici, pas de problème. Comme je vous ai dit, avec la maisonnette qui est ici, vous avez la possibilité de revenir sur l'affichage par défaut, la vue en perspective. Donc, vous cliquez dessus, vous avez ça. Vous avez ici le déplacement. Donc, vous avez l'orbite. La plupart du temps, j'utilise l'orbite libre, mais vous verrez, ce n'est pas très différent. L'orbite libre vous permet de naviguer au niveau de toutes les faces. Donc, vous pouvez tourner tranquillement. Vous cliquez et puis vous tournez. Mais si vous avez une souris, c'est plus facile de travailler avec votre souris parce que en cliquant sur la molette et en appuyant sur la touche Shift, vous avez exactement la même chose. Alors, s'il y en a parmi vous qui ont le logiciel, n'hésitez pas à tester. Donc, vous avez ici, par exemple, quand je crée une esquisse, je crée une esquisse, j'ai autre chose ici, j'ai une autre zone par ici. Alors, si je vais utiliser cet outil, regardez, il me permet de, lorsque je clique sur un objet, il me permet de le mettre beaucoup plus en avant. Donc, ce sera utile lorsque vous avez plusieurs pièces dans votre modèle et vous voulez vous focaliser sur une seule ou bien sur une face bien précise. Vous pouvez utiliser cet outil, regardez. Alors, vous avez les autres, la main panoramique pour déplacer. C'est pareil, avec votre souris, il vous suffit de cliquer sur la molette. Cette fois-ci, vous n'appuyez pas sur la touche Shift et vous pouvez toujours vous déplacer. Donc, pareil, zoomer. Alors, ajuster, ça signifie quoi? Regardez. Donc, pour mieux expliquer, je vais juste faire ça. Et quand je fais ajuster, ça me permet de mettre également en avant, mais de manière beaucoup plus zoomée. Donc, quoi d'autre? Je pense que pour là, c'est le plus important. Alors, si vous remarquez bien, ici, on a écrit terminer l'esquisse. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'esquisse, mais je ne vous ai pas montré comment est-ce qu'on fait pour créer une esquisse. Donc, je vais sortir de cette zone et vous allez voir ici, vous avez ici la zone de navigation. Donc, comme dans tout le logiciel, vous avez la fichier, etc. Mais voici la zone la plus importante. Parce qu'avec Fusion 360, nous pouvons modéliser donc, des formes assez simples, comme on dit, des solides. Mais vous pouvez également travailler avec des formes en surface. Je prends l'exemple de Blender, où vous pouvez modéliser des objets en leur donnant des formes très complexes, un peu comme si vous étiez en train de sculpter. Donc, vous avez cette possibilité de faire la même chose ici sur Fusion avec la zone surface. Alors, nous allons rester sur la partie solide. C'est la partie la plus simple pour pouvoir prendre en main Fusion 360. Pareil, la maisonnette qui est là vous permet de revenir sur l'affichage par défaut. Alors, je vais créer mon esquisse. Je décide de faire un simple cube. Pour faire ce cube, j'ai besoin déjà de créer mon esquisse. Pour créer mon esquisse, vous avez deux options. Soit vous venez directement ici, vous voyez l'icône, créer une esquisse. Soit vous venez dans créer et vous avez ici créer une esquisse. N'hésitez pas, si vous êtes bloqué à un niveau ou bien si vous avez besoin d'un éclaircissement, n'hésitez pas à me couper. Donc, vous avez ici créé une esquisse. Lorsque je clique sur créer une esquisse, lorsque je clique sur créer une esquisse,
On me pose une question. Sur quelle face, sur quelle vue je voudrais travailler? Parce que si je vous demande de regarder, si je vous demande de regarder en face, si je vous demande de regarder devant, et que moi, je ne suis pas sur le même repère que vous, on n'aura pas la, on n'aura pas le même, le même objectif. Si je vous indique, OK, la pharmacie se trouve en face de l'école 2, si vous ne trouvez pas l'école, vous ne pourrez pas réellement savoir où se trouve la pharmacie. Ça, je pense que ça va être, ça, c'est une analogie un peu simple. Donc, pour cela, pour pouvoir tous travailler, si vous étiez sur votre logiciel, si je vous dis, OK, nous allons travailler sur la vue de dessus, il est bien évident que je n'ai pas besoin d'entrer dans votre logiciel pour savoir exactement où est-ce que vous avez cliqué. Donc, vous avez ici la vue de dessus. On va prendre ce repère, la vue de dessus. On clique sur la vue de dessus. Si vous remarquez, Fusion nous place automatiquement la face en face de nous. Alors, si tel n'est pas le cas, tout ce que vous aurez à faire, puisque vous savez que c'est la vue de dessus, tout ce que vous aurez à faire, vous venez ici, à côté de cette maisonnette, là où il y a ce cube qui est là, vous cliquez ici, haut, et vous mettez tout en face. Alors, une esquisse, c'est simple, surtout pour le cube. Ici, il s'agit de faire un cube. Dans notre esquisse, ça va être un carré. Parce que quand on regarde notre cube depuis le haut, on ne voit rien d'autre qu'un carré. On ne peut pas voir les coins, on ne peut rien voir d'autre. Donc, pour cela, j'ai besoin de faire un carré. Sur Fusion 360, le carré est confondu avec le rectangle. La seule différence, c'est que ici, le carré, c'est un rectangle qui a quatre côtés égaux. Je ne sais pas si vous me suivez un peu. Donc, ici, je clique sur le carré. Je clique sur l'outil rectangle, soit je prends ici, soit vous allez dans créer et vous avez différentes fonctions ici, différents outils ici. Donc, vous avez l'outil ligne, vous avez l'outil rectangle, vous avez différents types de rectangles. Vous pouvez dessiner un rectangle à partir de deux points, vous pouvez dessiner un rectangle à partir du centre, vous pouvez dessiner un rectangle à partir de trois points. Ça, c'est en fonction de certains modèles. Vous avez certains modèles où vous voulez avoir des contraintes qui se réunissent avec les trois points. Donc là, vous allez choisir un rectangle qui utilise trois points. Donc ici, nous allons prendre le rectangle par défaut. Donc, je clique ici, c'est un rectangle deux points. Alors, pour l'instant, je ne me préoccupe pas des dimensions. Je clique là, je clique de l'autre côté. Je ne me préoccupe pas des dimensions. Je ne me préoccupe pas de savoir s'il s'agit d'un carré ou pas. Parce que l'avantage avec Fusion 360, je peux mettre des dimensions à tout moment. Quand vous cliquez sur créer, vous avez tout en dessous ici l'outil code d'esquisse. L'outil code d'esquisse vous permet de mettre les dimensions sur votre fichier. Alors, pareil, vous avez le même outil ici. Pareil, vous avez le même outil ici au-dessus. Alors, je rappelle, quand vous choisissez un outil, si vous voulez relâcher l'outil, il vous suffit d'appuyer sur la touche échappe. Ça relâche l'outil. Donc, je prends mon outil dimension. Pour mettre la dimension, j'ai deux options. Soit je clique sur le bleu qui apparaît lorsque je rapproche de ma dimension, lorsque je rapproche de la ligne sur laquelle je vais mettre la dimension. Soit je clique ici, je me déplace sans maintenir. Je clique à nouveau une fois et on me donne la possibilité de rentrer l'information. Je vais rentrer 75. Je valide. Soit je clique sur les extrémités, donc je clique une fois ici et je clique une fois là. Dès que j'ai cliqué, pareil, il s'agit d'un carré, donc je mets les valeurs. Et là, nous avons notre esquisse sous forme de carré. Alors, une autre précision. C'est vrai que bon, nous, on a l'habitude de changer parfois des noms, tout ça, mais il est bien évident que quand on naît une fois, on ne peut pas naître une deuxième fois. Donc, lorsque vous avez contraint une esquisse, quand je parle de contrainte, vous lui avez donné une dimension bien précise. Vous ne pouvez pas dire qu'il a 75 cm et il a en même temps 50 cm. Je m'explique. Ici, j'ai déjà donné 75 cm. Je ne peux pas revenir dessus, cliquer pour dire que je lui donne autre chose. Vous aurez une erreur avec Fusion 360. Donc, ce que vous pouvez faire, si vous croyez que vous avez fait une erreur, vous double-cliquez sur la dimension et on vous donne la possibilité de changer. On vous donne la possibilité de changer la dimension. Donc ici, je vais rentrer, par exemple, je vais rentrer 50, je valide.
Je fais la même chose pour l'autre. Je valide. J'ai fini avec mon cube. J'ai fini avec mon cube. Alors, moi-même, je viens de dire, j'ai fini avec mon cube. Donc, j'ai fini avec l'esquisse qui me permettra de créer mon cube. Donc, quand je dis j'ai fini, il faut que j'applique également cela ici. Suffisant 360, vous avez terminé l'esquisse. Je clique sur terminer l'esquisse. Alors, automatiquement, il revient sur la vue en perspective. Mais pour certains, ça ne reviendrait pas comme ça. Donc, si ça ne revient pas, un rappel, la maisonnette qui est ici vous permet de revenir sur l'affichage en perspective. Alors, j'ai fini avec mon esquisse. Mon objectif, c'était de dessiner un cube. Pour dessiner mon cube, j'ai choisi la vue de dessus. En regardant ma vue de dessus, j'ai vu un carré. Alors, j'ai décidé de créer une esquisse qui équivaut à un carré. J'ai fini de créer mon esquisse, il faut que je donne du volume. Pour donner du volume, vous avez également plusieurs options. Enfin, c'est un seul outil, l'outil extrusion. Mais vous avez plusieurs options. Soit vous le prenez ici, l'outil extrusion, soit vous cliquez sur créer et vous le prenez là, extrusion. C'est la même chose. Alors, extrusion. Quand je prends extrusion, vu que c'est ma première esquisse, il choisit automatiquement celle-là parce qu'il n'y a pas autre chose. Mais si ce n'était pas encore choisi, il vous suffirait, vous regardez ici, vous voyez là où c'est écrit contour, il vous suffirait de cliquer sur la face sur laquelle vous voulez donner le volume. Vous cliquez dessus et vous donnez la valeur. Vous pouvez tirer, tout comme vous pouvez donner une valeur bien précise. Ici, pour avoir notre cube, il nous suffit de donner la valeur 50. Et notre cube est prêt. Alors, bien évidemment, le cube, bon, c'est un exemple assez basique, mais c'était surtout pour regarder les principales fonctions, comment créer une esquisse, comment donner du volume. Maintenant, ce cube que nous avons ici, nous allons l'améliorer. Nous allons transformer ça en boîte. Alors, vous avez plusieurs options. On avait vu pour créer une esquisse, il faut choisir la face sur laquelle on veut travailler. Je clique sur créer une esquisse. Je choisis la face sur laquelle je veux travailler. Cette fois-ci, je n'ai plus ces repères pour travailler. Puisque pour créer la boîte, pour faire le perçage, je dois faire le perçage ici. Je ne peux pas me permettre de venir choisir cette face. Donc, je vais choisir cette face qui est ici pour avoir un repère. Je clique ici. Et maintenant, je rappelle ici que j'utilise des outils simples, mais après, dans le prochain exemple, vous verrez qu'on va traverser rapidement avec les autres outils. Pour cela, je peux utiliser plusieurs options. Vous avez ici l'outil décalage, ou bien je peux recréer un autre rectangle. Avec l'outil décalage que vous avez ici, vous avez ça dans modifier, vous avez décalage. L'outil décalage vous permet de créer une différence entre le cadre qui était déjà là et le nouveau cadre que vous voulez avoir. Donc ça, ce décalage-ci, ça équivaut à l'épaisseur de notre boîte. Donc, vu que nous voulons faire ça de l'intérieur, nous allons mettre moins pour donner une valeur négative. Et comme épaisseur de notre boîte, nous pouvons par exemple dire 4 mm. Donc, je dirais 3 mm. Donnons 3 mm, moins 3 mm. Et nous validons avec entrée. Je clique sur terminer. Alors, j'ai mon cube qui est là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que quelqu'un parmi vous a le logiciel devant lui? Moi, je parle au logiciel, donc je cherche à le télécharger. OK, il est facile à télécharger. Je pense dans la discussion, je pense qu'il y a possibilité de prendre un fichier dans la discussion. Si c'est possible, c'est encore mieux. Voilà.
Mais pratiquement, on a du mal à vous suivre parce qu'on dirait que vous allez beaucoup plus vite. Si vous pouvez diminuer un peu le rythme comme ça, on va vous suivre. Merci. Vous m'entendez? Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, Diallo. Ah, oui. Bonjour, hein. Vous m'entendez? Oui, ah, difficilement, mais ça peut aller. OK. Okay. Bon, je disais tantôt que on vous suit, on a le logiciel, on est en train de vous suivre, mais on a du mal à vous suivre parce qu'on dirait que vous êtes un peu rapide. Quoi. Si vous pouvez diminuer un peu le rythme comme ça, on va vous suivre. D'accord, ça marche. En fait, n'hésitez pas également à faire des retours. Parce que, bon, quand j'avance, je me dis que voilà, tout va bien également de l'autre côté. Juste une minute, je prends le fichier et puis j'envoie. Je n'arrive pas à trouver le fichier. Bon, malheureusement, je n'arrive pas à trouver le setup. Mais il est rapide pour télécharger. Une fois que vous êtes sur le site, vous inscrivez, vous le téléchargez. Je pense qu'il n'y a pas de souci, c'est rapide. OK. OK, donc... je ne sais pas, jusqu'à ce niveau, c'est bon? Oui, ça va, c'est vrai. OK. Et pour l'autre qui a le logiciel? Allô? Je vous entends difficilement. Je disais que c'est bon maintenant. Vous m'entendez maintenant? Oui, oui. Ah, ok, c'est bon. Vous pouvez continuer. D'accord. Donc. Oui, allez-y. Alors, je reviens. Nous avons notre cube ici. Je pense que jusqu'ici, c'est bon. Non. Nous avons notre cube qui est là. Oui. Nous revenons à l'esquisse. Alors, nous avons terminé de faire notre esquisse. Puisque l'esquisse est terminée, il faudrait que nous expliquions en Fusion 360 que nous avons terminé avec notre esquisse. Et pour cela, nous cliquons sur « Terminer l'esquisse ». Une fois fait, le logiciel nous ramène sur l'affichage en perspective. Si tel n'est pas le cas, vous avez la maisonnette qui est ici, vous cliquez dessus et ça vous ramène sur un affichage en perspective. Alors, l'esquisse étant faite, il faut maintenant donner du volume. Pour cela, vous avez deux options. Soit vous prenez l'outil extrusion qui se trouve directement ici, soit vous prenez ce même outil qui se trouve ici lorsque vous cliquez sur créer. Extrusion.
Ou encore, vous pouvez utiliser le raccourci clavier E. Donc, une fois que vous arrivez à ce niveau, vous avez deux options également. Soit vous glissez, vous donnez votre volume, soit vous donnez la valeur directe. Ici, il s'agit de 50 si on veut faire un cube. Et vous validez avec la touche Entrée. Alors, notre cube étant fait maintenant, il ne suffit pas juste de faire un cube. Ça, c'est un exemple très basique. On va transformer ce cube en une boîte cubique, donc qui n'a pas de couvercle pour l'instant. Alors, pour cela, nous allons cliquer sur la face. Pour cela, il va nous falloir créer une nouvelle esquisse qui nous permettrait de percer la boîte, qui nous permettrait de percer le cube. Pour cela, nous allons créer une nouvelle esquisse. Comme nous-mêmes, on le dit, on clique sur « Créer une nouvelle esquisse ». Quand on clique sur « Créer une esquisse », si vous remarquez bien, on nous demande sur quelle face on veut travailler. Mais ici, on ne peut pas choisir une face au hasard dans le vide. On veut travailler sur notre cube. Donc, il nous suffirait de choisir la face de dessus sur laquelle nous voulons travailler. Bien évidemment, si nous voulons percer au-dessus. Si je veux percer ici, il me suffira de cliquer ici. Donc, je vais choisir cette face. Et automatiquement, Fusion 360 me met cette face en face de moi pour me montrer que oui, c'est sur elle que je vais travailler. Alors, maintenant que je suis en mode création d'esquisse, j'ai deux options. Pour faire l'épaisseur de ma boîte, soit je crée un nouveau carré avec les mêmes dimensions, mais en réduisant pour avoir l'épaisseur. Soit j'utilise l'outil décalage qui se trouve ici dans Modifier. Décalage. Quand j'utilise l'outil décalage, il me suffit de cliquer. Regardez, quand je rapproche des contours, tout devient bleu. Il me suffit de cliquer dessus une fois. Et là, on me demande, je veux décaler de combien de millimètres? Les valeurs ici sont en millimètres. Alors, puisque je veux que mon épaisseur aille depuis l'intérieur, je vais faire entrer, donc je vais donner une valeur négative, moins. Et ici, je vais choisir maintenant l'épaisseur de ma boîte. Bon, pour l'exemple, je vais choisir 2 mm, moins 2 mm. Et je valide en appuyant sur la touche Entrée. J'ai terminé de créer mon esquisse. Je dis la même chose en Fusion 360, j'ai terminé de créer mon esquisse. Je dis la même chose en cliquant sur « Terminer l'esquisse ». Si c'est étant fait, j'ai créé mon esquisse. Maintenant, tout à l'heure, j'ai donné du volume, mais cette fois-ci, je veux retirer la matière. Je ne veux pas forcément donner du volume, je veux retirer la matière. Ici, là, nous avons utilisé un outil qui n'est pas vraiment automatique. Du coup, il va nous falloir faire un petit calcul. Si je dois retirer la matière ici, je vais retirer de combien pour laisser la même épaisseur en dessous? Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Donc, je retire la matière ici, mais pas totalement. Donc, il va me falloir laisser une petite marge ici. Alors, pour retirer la matière, toujours avec l'option qui nous permet de donner du volume, on peut retirer la matière. Je clique sur extrusion. Je choisis la face sur laquelle je vais travailler. Ça doit être un peu un automatisme. Donc, je choisis la face, je clique sur, etc. Je choisis la face sur laquelle je vais travailler. Alors, j'ai deux options. Soit je glisse, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais comme ça, vu d'œil, je ne peux pas vraiment savoir où se limite ma pièce. Je peux totalement la percer, mais ce n'est pas mon objectif. Du coup, il faut que je rentre la valeur. On avait dit que l'épaisseur était de 2 mm. Si l'épaisseur est de 2 mm et que ma dimension totale est de 50, donc c'est tout à fait logique que je dois percer. C'est de 48 pour laisser les 2 mm restants en dessous. Donc, j'écris moins 48. Et en utilisant notre outil d'Orbitly, vous voyez, quand je navigue, j'ai la boîte qui est là. Alors, je rappelle que là, nous sommes en introduction, mais Fusion 360 est tellement puissant que je vais faire un exemple juste à côté
sans faire trop de commentaires, je reviendrai dessus. Alors, je crée mon esquisse, je choisis la face sur laquelle je veux travailler. Je donne les valeurs. Je crée. Je donne mon volume. Dès que j'ai créé cela, je clique sur la face, je fais l'outil Cook, je donne. Et vous voyez exactement la même chose. Mais je n'ai pas utilisé ceci parce que je voulais déjà vous montrer un peu les différentes phases, la navigation avec Fusion 360. Donc, je vais juste revenir ici, jusque-là. Vous avez vu tout à l'heure comment j'ai fait pour créer cet outil, ce cube. Maintenant, pour faire ceci, pour nous éviter tous ces calculs, Fusion 360 nous a simplifié la tâche. Donc, plus besoin de dire que je vais créer une esquisse qui va me permettre, je vais créer une esquisse qui va me permettre de déterminer mon épaisseur, tout ça. Non, plus besoin de cela. Il y a l'outil Cook que vous avez ici. Vous prenez l'outil Cook. Quand vous avez votre bloc, il vous suffit de choisir la face qui va être ouverte. Si je choisis celle-ci, c'est elle qui va être ouverte. L'épaisseur de ma coque, l'épaisseur de ma boîte aura quelle dimension? Si je veux 3, je mets et je valide sur entrée. Ça nous évite des calculs. C'est bon? J'avoue que c'est plus simple que le FreeCAD. Hein. Fusion 360, sincèrement, comme je dis, c'est juste l'introduction. Vous verrez également. Alors, l'objectif de cette formation aussi, c'est aussi de faire la comparaison entre une modélisation que nous avons ici. Imaginez, vous voyez cette boîte que vous avez ici. Vous dites à votre client, tenez, voici votre boîte, c'est là où vous devez mettre vos composants, tout ça. Ensuite, le client revient vous dire, mais les dimensions, ce n'est pas ça. Je veux une boîte qui est 2 fois plus grande que ça. Vous allez remodéliser en doublant les dimensions, tout ça. Ou bien si vous êtes depuis votre logiciel d'impression, si vous faites doubler les dimensions, ça va doubler également votre épaisseur. Or, ce n'est pas l'objectif. Et c'est pour ça que dans l'une des parties de Fusion 360, vous avez vu ici, notion de modélisation paramétrique. Alors, bon, je vais un peu modifier le programme. Je pense que ça revient à peu près au même. Dans démo 1, notion de modélisation paramétrique et cas pratique. On va prendre le cas pratique toujours avec ce même cube, cette même boîte. On va faire un modèle paramétrique avec lequel nous pourrons modifier à chaque fois les valeurs sans pour autant affecter les valeurs qui sont censées être fixes. Bon, je pense que vous aurez compris pour les deux. Donc, je vais enlever une boîte. Donc, j'annule ça. Bon, j'avais oublié juste cette partie. Ici, vous avez l'historique. Ça, c'est... Donc, à chaque fois que vous faites quelque chose, vous avez l'historique. Si vous voulez modifier cette fonction, vous pouvez venir ici, clic droit, modifier la fonction. Parce que l'outil paysage, données, du volume, tout ça sont des fonctions. Et ici, vous pouvez modifier. Vous dites par exemple, OK, au lieu de percer totalement, au lieu de réduire de 48, je peux percer totalement. Donc, percer totalement, je peux utiliser 50 ou 51. Ah, plutôt, moins une valeur négative. Donc là, je perce totalement. Je me rends compte que, tiens, c'est pas ce que je voulais faire. Je reviens, clic droit, modifier la fonction. Je viens ici, je mets par exemple moins 40. Donc, voyez un peu, vous avez vraiment la possibilité de modifier cela. Mais ce n'est toujours pas suffisant dans le cadre où un client vous dit, OK, j'ai besoin de faire ça, ça. Ce modèle, il est simple, c'est possible de modifier très rapidement. Mais vous avez des modèles qui sont vraiment complexes. Et s'il faut changer une dimension, ça va affecter beaucoup de paramètres. Donc, autant avoir autant définir toutes ces variables dès le départ. Comme ça, quand un client vous dit, OK, j'ai besoin de modifier telle ou telle chose, il vous suffit d'aller juste dans les variables et vous changez la valeur. Alors, pour vraiment voir cette notion de variable, je vais intégrer ici, qu'est-ce que je vais intégrer? Je vais faire un passage ici, au centre.
Pour cela, vous savez déjà que si je veux faire un perçage, ok, je vais faire un trou, un cercle, donc je vais faire un cercle que je vais faire déboucher dans un trou débouchant. Pour cela, il me faut déjà créer une esquisse. Pour chaque chose que je dois faire, il faut que je crée une esquisse. Où est-ce que je vais créer mon esquisse? Je vais faire le perçage ici, donc mon esquisse est ici. Je clique sur créer une esquisse, je choisis la face sur laquelle je vais travailler. Ça doit devenir un automatisme. Je clique sur l'outil cercle. Sans me soucier, est-ce que je suis au centre ou pas? Ça va me permettre de vous montrer un nouvel outil. Je dessine mon cercle. Alors, je vais par exemple mettre 10 mm. Mais il se trouve qu'il n'est pas centré et je veux le centrer. Tout à l'heure, l'outil code de dimension nous permettait de donner la dimension à notre fichier. Mais cette fois-ci... Monsieur? Oui, une question? On dirait qu'on a des problèmes à vous suivre là, parce que ça paraît être un peu vite. Des fois, on a des difficultés. On vous entend pas bien, s'il vous plaît. Désolé, je disais que tantôt, on a du mal à vous suivre, parce que paraît-il que ça, vous parlez un peu vite. Si vous pouvez diminuer un peu la vitesse, comme ça, on pourra vous suivre. C'est pas très clair. Bon, je suppose que je suis un peu trop rapide, c'est ça? Oui, c'est ça. OK. Oui, il dit que vous parlez un peu trop vite et il a du mal à vous suivre. D'accord. OK. C'est bien noté. J'espère que ce n'est pas un problème d'accent. Non, du tout. OK. Donc, je vais diminuer le rythme. Et en même temps aussi, peut-être des simples OK ou bien oui, je pense que ça peut me permettre de me repérer, quoi. Donc, vous préférez qu'on parle les micros? En fait, on vous entend pas bien, c'est difficile. Est-ce que vous pouvez revenir un peu en arrière? Comme ça, on va vous suivre après. Sur le cube. Oui, mais sur le cube, même. Comment vous avez fait pour faire le cube? J'ai vraiment du mal à vous entendre. On dirait que je parle dans votre langue. Bon, je disais tantôt, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur le cube? Comment vous avez fait pour modéliser le cube? OK, comment j'ai fait pour modéliser le cube? Oui. OK, je vais repasser rapidement pour pouvoir gagner en temps. Déjà, je vais tout supprimer ici. Oui. Je ferme le fichier. Voulez-vous enregistrer? Ne pas enregistrer. OK. On va aller doucement, de manière un peu posée. Alors, je suis sur Fusion 360. L'interface, je pense que vous avez compris un peu au point de vue navigation. Donc, je vais créer une esquisse. Créer une esquisse, c'est comme faire un croquis pour dire, OK, je vais travailler avec ça et ça. Si on prend l'exemple du cube, si on regarde le cube depuis le haut ou bien depuis la face, on voit un simple carré. Donc, déjà, au départ, pour créer notre cube, il faut déjà faire une esquisse qui correspond au carré. Et pour créer une esquisse sur Fusion 360, vous avez cette zone qui est ici. Créer une esquisse. Ou bien, vous allez dans Créer et vous cliquez sur Créer une esquisse qui se trouve là. Une fois que vous avez cliqué sur Créer une esquisse, on vous demande sur quelle face vous voulez travailler. Tout à l'heure, comme on a dit, en fonction de l'endroit où vous placez, il vous faut un repère. Donc, si vous regardez depuis le haut, vous allez choisir ici la vue de haut. Si vous regardez depuis la face, vous allez choisir la vue de face. Donc, on se met tous d'accord que nous regardons depuis le haut. Donc, je choisis la vue de dessus et automatiquement, Fusion 360 me ramène le plan en face de moi. Alors, mon esquisse correspond à un carré. Pour créer un carré, vous avez les différents outils ici. Je rappelle que sur Fusion 360, un rectangle, c'est un carré. La seule différence, c'est que le carré ici, c'est un rectangle qui a quatre côtés égaux. Donc, je clique sur l'outil rectangle.
sans me soucier des dimensions. Je clique une fois sans maintenir, je déplace. Je clique à nouveau une deuxième fois pour relâcher. Mon outil étant toujours sélectionné de peur de cliquer n'importe comment, j'appuie sur la touche échappe pour relâcher mon outil. D'accord. Alors, maintenant que j'ai dessiné mon rectangle, il faut que je dise que c'est un carré, parce que j'ai dit ici que un carré, c'est un rectangle qui a quatre côtés égaux. Il faut que j'applique cela. Et pour cela, il faut que je donne des dimensions. Vous avez ici ce qu'on appelle l'outil code d'esquisse. Donc, la cotation, ce n'est rien d'autre que donner les dimensions à notre fichier. Je clique sur l'outil code d'esquisse que vous pouvez trouver ici, mais également lorsque vous déroulez, vous pouvez trouver code d'esquisse tout en dessous. Vous avez deux options pour donner les esquisses. Vous avez une option, soit vous cliquez les deux extrémités de la zone que vous voulez esquisser, que vous voulez coter, et vous cliquez une fois pour relâcher, ça vous donne la possibilité d'entrer vos dimensions. Dans notre cas, nous allons entrer 50 et vous validez. La deuxième option, quand vous rapprochez de la ligne, ça devient bleu. Vous cliquez une fois sans maintenir, vous déplacez et vous cliquez à nouveau une fois et vous donnez votre valeur. Vous validez avec la touche entrée. C'est bon? C'est bon, oui. OK, nous avons terminé notre esquisse. Comme nous-mêmes, nous venons de le dire, nous avons terminé notre esquisse. Donc, il faut cliquer sur « Terminer l'esquisse ». Dès que nous terminons l'esquisse, Fusion nous ramène avec la vue en perspective. Si ce n'était pas le cas, allô? Oui, allô, je vous suis. Ah, OK. Non, c'est juste que l'interface avait bougé ici. Donc, c'est bon. Donc, si ce n'était pas le cas, vous avez la maisonnette qui est ici. Il vous suffit de cliquer et vous revenez sur l'affichage en perspective. Alors, nous avons créé notre esquisse. Maintenant, il faut donner du volume à cette esquisse. Pour donner du volume, vous avez l'outil extrusion. C'est exactement comme dans FreeCAD. Je pense que vous travaillez sur FreeCAD, mais c'est exactement comme sur FreeCAD. Donc, vous donnez du volume avec l'outil extrusion. À la seule différence que, bon, vous n'allez pas cliquer sur esquisse, tout ça, pour avoir les différentes zones. Vous avez tout ici au même endroit. Vous avez l'outil extrusion, vous cliquez dessus. Et vous avez la possibilité d'entrer la dimension de l'extrusion. Dans notre cas, la dimension de l'extrusion, c'est 50. Pour avoir un cube, donc, avec toutes les faces égales. Et vous tapez sur la touche entrée pour valider. Je pense que là, on revient tous au même niveau où nous étions tout à l'heure, avec le cube. Oui. Donc, notre cube étant fait, tout à l'heure, j'ai expliqué que nous avons deux options pour faire la coque. Donc, une option où nous pouvons toujours créer une esquisse. On clique sur « Créer une esquisse ». Mais cette fois-ci, au lieu de dire que nous choisissons une face au hasard ici, nous voulons créer la coque, bien évidemment, au niveau de notre cube. Donc, il nous suffit de cliquer sur la face avec laquelle nous voulons travailler. Si nous voulons que c'est cette partie qui soit ouverte, nous allons cliquer ici. Si nous voulons que c'est celle-ci qui soit ouverte, nous allons cliquer ici. Pour ce cas, nous allons choisir cette face. Nous cliquons là. Pour créer notre esquisse, c'est toujours un carré. Mais à la seule différence qu'on décale pour laisser l'épaisseur de notre boîte. Donc, je rappelle que le cube que nous avons dessiné là, c'est un exemple basique. Pour aller un peu plus en profondeur, nous allons modifier ce cube et transformer ça en boîte. Alors, vous avez ici l'outil décalage. Vous cliquez sur l'outil décalage une fois. Vous vous rapprochez de votre cube. Vous rapprochez de l'arête et lorsque vous voyez qu'elle devient bleue, vous cliquez une fois. On vous demande la valeur. Bien évidemment, notre cube étant déjà dessiné, il faut que le creux se fasse depuis l'intérieur. Donc, l'épaisseur, on va donner une valeur négative
on va faire moins. Et pour ce cas, on va mettre une épaisseur de 2 mm. Et nous validons avec la touche entrée. Nous avons terminé avec notre esquisse. Nous cliquons sur terminer l'esquisse. Si par hasard vous vous êtes embrouillé et que vous avez votre, vos faces qui sont un peu mélangées dans tous les sens, pas de panique, il vous suffit de cliquer sur la maisonnette qui est là et vous revenez sur l'affichage par défaut. Alors, une fois fait, pour retirer de la matière, c'est de la même manière dont on donne du volume, à la seule différence qu'on utilise le, comment on appelle, on utilise le signe moins. Alors, je clique sur extrusion. Je choisis la face sur laquelle je veux travailler. Je clique sur cette face. Une fois que je commence à donner le signe moins, je donne maintenant la distance que je veux retirer. Soit je glisse, soit je donne une valeur bien précise. Dans mon cas, ça va être moins 48 pour laisser 2 mm d'épaisseur à la fin. Je fais couper. Alors, ceci étant fait, vous avez cette option pour retirer, pour retirer de la matière, mais on pouvait se passer de ces deux, parties. Je ne sais pas si vous voyez où se trouve mon curseur. On pouvait se passer de ces deux points. Regardez, je vais supprimer ça. Je supprime ceci pour vous montrer qu'on pouvait se passer de ces deux points en venant simplement ici. Vous avez la partie, vous avez là où on écrit modifier ici. Et vous avez l'outil coke. Quand vous cliquez sur coke, on vous demande quelle est la face qui doit être ouverte. Vous cliquez dessus. Il vous suffit de donner l'épaisseur de votre coke. Dans notre cas, c'était 2 mm. Et on a exactement la même chose. C'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon ici. Ok, super. C'est bon, je suis. Ok, donc une fois que nous avons fait ça, ça c'est un exemple basique pour vous montrer un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec, déjà pour vous montrer l'interface. Je rappelais que si un client, par exemple, vous dit, ok, ma boîte, je veux une boîte qui a une longueur de 10 mm, une longueur de 10 cm et une largeur de 50 cm. Qu'est-ce que je raconte? Une longueur de 10 cm et une largeur de 5 cm. C'est vraiment compliqué de dire que voilà, depuis votre logiciel d'impression, vous commencez à modifier. C'est vraiment compliqué là-bas parce que si vous faites ça là-bas, vous allez affecter l'épaisseur de la boîte. Or, vous voulez gagner en temps, vous ne voulez pas remodéliser l'ensemble de la boîte. D'autant plus que si elle est complexe, si on doit mettre des composants électroniques à l'intérieur, il y a vraiment du travail à revoir. Donc, pour cela, nous avons ce qu'on appelle ici la modélisation paramétrique. Le même fichier qui est ici, regardez, si je dis par exemple que je sélectionne tout ça, je fais une mise à l'échelle, échelle. Si je dis par exemple, je fais une échelle 2, la dimension ici va changer. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est ce que j'expliquais. La dimension ici, elle change. Regardez, quand on regarde les deux ici, on remarque ici qu'on a une distance toujours de 4 mm. Parce qu'on a mis à l'échelle de manière globale. On a mis tout ça à l'échelle. Donc, tout à l'heure, nous avons une épaisseur de 2 mm. Cette fois-ci, nous avons 4 mm. Et ça, c'est du filament qui est gaspillé. Je reviens. Donc, je vais faire la même chose, mais cette fois-ci avec des variables.
Pour cela, vous avez ici la zone modifiée. Je ne sais pas si vous me suivez. Vous avez la zone modifiée. Dans modifier, vous avez modifié les paramètres. Vous avez modifié les paramètres. Là, vous voyez f de fixe, f de x. Donc, il s'agit des fonctions. Vous avez modifié les paramètres. Quand vous cliquez dessus, vous avez ici paramètres utilisateurs. Vous avez la possibilité d'ajouter un nouveau paramètre d'utilisateur. Donc, je vais ajouter un nouveau paramètre. Bon, il y a des paramètres qui sont assez basiques. Longueur, largeur, hauteur, profondeur, épaisseur. Nous allons rentrer toutes ces variables. Donc, je rentre la longueur. Ici, dans l'expression, ça va être la même chose avec la valeur. Donc, je vais rentrer la valeur. À la base, je veux une longueur, par exemple, de 100, donc de 10 cm, 100 mm. Je clique sur « Entrée ». Je rentre une deuxième variable. Vous pouvez faire ça. Largeur. Alors, longueur 10, largeur. Bon, à la base, je veux 5 cm. Je valide. Alors, ici, l'épaisseur de la coque. Bon, l'épaisseur de mon fichier. L'épaisseur ici, je vais dire 4 mm. Alors, il y a quoi d'autre comme variable, comme valeur? Hauteur, la hauteur de ma boîte. Après, on va changer complètement. On va faire une autre boîte. Vous allez mieux comprendre avec l'autre boîte. Hauteur. Ici, bon, OK, j'ai la longueur ici, j'ai la largeur, la hauteur. Je peux par exemple dire que voilà, pour qu'elle soit proportionnelle, je vais par exemple dire que la hauteur, c'est la largeur moins. Je ne sais pas si vous me suivez un peu. Cette fois-ci, largeur, c'est déjà une variable. Largeur, c'est déjà une variable. Donc, je peux me permettre d'écrire largeur. Je clique là. Et je mets par exemple moins, comme ça, voilà, ma hauteur ne va pas forcément dépendre de ce que je vais venir entrer. Bien évidemment, je peux aussi mettre une valeur fixe, mais je veux que tout change de manière dynamique. Donc, je peux mettre ici largeur moins, par exemple, qu'est-ce que je vais dire? Largeur moins largeur sur 2. Bon, vous comprendrez que pour l'instant, je n'ai pas d'inspiration pour les dimensions, mais vous allez voir que ça dépend de vos fichiers. Donc, je vais me limiter déjà avec ces variables et nous allons construire une boîte. Nous allons dessiner une boîte avec ces variables et vous verrez qu'à tout moment, je peux changer dynamiquement toute la boîte. La largeur, je peux même me permettre, vu que c'est ici 50, je peux même me permettre de dire c'est égal à la longueur divisé par 2. Et ici, je vais ajouter un autre paramètre, les congés. Donc, les petits bords arrondis que vous voyez souvent, donc ce sont les congés, je vais ajouter ici congés. Et je vais dire ici, le congé équivaut par exemple à l'épaisseur que j'ai là. Donc, le congé par exemple équivaut à l'épaisseur que j'ai là, multiplié par 2. Donc, épaisseur multiplié par 2. Alors, ceci étant fait, je valide avec OK. Bon, je vais enlever tout ceci. Non, juste ça. Bon, je vais supprimer tout ceci. Supprimer toutes les fonctions après le marqueur. Là, ça vous permet de supprimer tout ce qui vient après. Alors, je vais passer très rapidement. Non, en fait, lentement, mais après, je vais revenir petit à petit sur certains points. Je crée mon esquisse. Je choisis la face sur laquelle je veux travailler. Je pense que ça, c'est déjà acquis.
je vais dessiner une boîte. Cette fois-ci, on va changer, on va faire par exemple une boîte. Je n'ai plus besoin de me soucier des dimensions. Je dessine ma boîte. Je sais que ma largeur, c'est simplement largeur. Je rentre la valeur. Et de l'autre côté, c'est longueur. Je rentre je rentre simplement la variable. Si vous voyez, quand je double-clique ici, c'est écrit longueur. Je n'ai pas mis de dimension. Quand je double-clique ici, c'est écrit largeur. Je n'ai pas mis de dimension. J'ai donné ma longueur, j'ai donné ma largeur. J'ai fait terminer l'esquisse. Je veux donner du volume. Le volume équivaut à la hauteur. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? J'écris hauteur. Je veux créer ma coupe. Quand je clique sur la face, c'est l'épaisseur. J'ai créé ma boîte. Je vais donner des congés. Je clique là. Je donne des congés. Je donne des congés à ma boîte. Les congés, c'est là. Je donne congé extérieur, congé intérieur. Pareil. Bon. Alors, je donne la valeur de mes congés. Pas besoin de donner une valeur fixe. J'écris congé puisque j'ai déjà la variable. Alors, j'ai ma boîte. Le client me dit, non, je voulais une longueur de 20 cm. Je ne me casse pas la tête. Je vais dans modifier. Je regarde modifier les paramètres. Il m'a dit 20 cm, donc ça équivaut à 200 mm. Il me suffit de double-cliquer là. Je rentre ma valeur. Et si vous voyez bien, tout est modifié et l'épaisseur reste identique. Je fais inspecter pour vous montrer. Quand je clique là, je clique ici, la distance entre les deux, ça reste toujours les 4 mm. Si vous regardez bien, ici, mon épaisseur, c'est 4 mm. Est-ce que c'est bon jusque-là? Je ne suis pas trop rapide. Désolé. Non, pour le moment. OK. En fait, je ne veux pas vraiment m'attarder sur un modèle bien précis parce que l'idée, c'est vraiment de montrer un peu l'avantage de Fusion et de montrer un peu comment vous pouvez l'utiliser dans un lab. Parce que dans un lab, la plupart étant vu que nous sommes en mode prototype, en mode prototypage, donc vous allez modéliser une boîte avec des formes complexes. Vous allez arriver ici, par exemple, créer une esquisse. Je dessine là. Je me dis, OK, je vais mettre un cercle ici pour mettre des supports. Alors, ceci, je vais mettre, par exemple, une valeur de 10. Non, disons 7. Regardez un peu ce que ça va faire quand je vais modifier la dimension de la boîte si je ne mets pas des variables ici. Donc, pour ceci, je vais donner un volume. Donc, je vais dire par exemple que ça équivaut à 8 mm. Non, je vais dire 5. OK. Je vais me limiter à ça. Je ne vais pas percer pour l'instant. Je vais juste faire ça. Regardez, quand je viens ici, dans modifier. Modifier les paramètres. Il nous a dit c'est 20 cm. On a modifié. Il vient nous dire maintenant, non, c'est 150 cm. C'est 150 mm. Ça change, mais cette partie, peut-être vous ne l'aurez pas remarqué, mais il y a un changement avec une distance ici. Je pense que c'est même plus facile lorsque il y a deux. Vous allez voir un peu cette différence, quoi. Bon. Là, vu que j'ai fusionné ici, je peux faire là. Bon, on va avancer. Je pense que vous comprenez un peu le principe. Oui.
OK. Est-ce que quelqu'un a une question bien précise jusque-là? Non, pas ici. OK. Donc, toujours pour montrer un peu l'avantage de cette modèle. Donc, je vais faire rapidement le couvercle. Donc, pareil, je crée une esquisse. Je choisis la face sur laquelle je vais travailler. Bon, déjà, je vais supprimer ceci. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ceci normalement. Supprimer. Je n'ai pas besoin de ça. C'était le petit bout qui était là. Je n'avais pas besoin de ça. Donc, je crée une esquisse. J'ai choisi la face sur laquelle je vais travailler. Pour faire mon couvercle, quand je fais, vous avez la possibilité ici de faire projeter. Donc, projeter me permet d'isoler en réalité la face que vous avez ici, mais sous forme d'esquisse. Donc, quand je clique sur projeter, je choisis ce que je veux isoler. Il y a un souci? Je valide avec entrée. Si je cache ce corps, vous verrez que mon esquisse est là. J'ai toujours l'esquisse que j'avais dès le départ, puisque la boîte correspond exactement, le couvercle correspond exactement à notre boîte, donc on ne peut pas faire autrement. Alors, pareil, je donne le volume ici. Je choisis tout ceci. Le volume, c'est quoi? C'est l'épaisseur. Je donne mon épaisseur. Je vais terminer l'esquisse. Maintenant, je vais être sûr que ma boîte rentre bien dans mon couvercle, rentre bien dans ma boîte pour pouvoir créer le blocage. Donc, je vais venir ici donner encore un autre volume, mais à cette partie interne qui est là. Et je peux dire par exemple moins épaisseur. Pour que ça ne rentre pas trop, je peux dire épaisseur divisé par 2. Je fais valider. Et vous avez ici votre boîte qui est terminée. Alors, nous allons venir vérifier si tout est contraint. On veut une boîte de 200. Oui, tout change de manière dynamique sans pour autant affecter les propriétés de la boîte. Et ça, vous pouvez utiliser ça avec des fichiers très complexes. Ça vous évite d'aller modifier quelque part et de ne pas avoir les choses qui aboutissent. Une question jusque-là. Ceux qui ont le logiciel, vous avez réussi à faire ça? Non, pas tellement, mais bon, on a réussi à... Je ne vous entends pas bien. Bon, je dis... On n'a pas une chose pareille à ce que nous avons fait, mais on a pu faire quelque chose qui ressemble un peu à ça. Mais bon, l'essentiel, l'objectif, c'est de suivre, c'est de connaître les outils que vous utilisez et on est sur au même niveau que toi, pour le moment. Oui. Donc, c'est un peu l'un des avantages de la modélisation paramétrique. Vous pouvez rentrer des valeurs à tout moment, ces variables peuvent changer. Si aujourd'hui vous décidez que non, les 4 mm, ça utilise trop mon filament, il vous suffit de changer votre variable, votre valeur ici. Vous mettez 3 mm et ça s'applique partout. Si j'enlève le couvercle, vous voyez, ça ne change, ça ne modifie pas ma boîte.
Et dans des modèles très complexes, ça c'est très très important. Ici sur cette boîte, bon, ok, on pourrait se dire, ok, je viens ici, je fais clic droit. Je fais modifier, je rentre la valeur. Bon, c'est pas grave, donc je peux appliquer ça sur chacune des choses. Mais vous avez des fichiers, vous avez des modèles, vous. Vous avez toute cette ligne qui est remplie. S'il faut modifier sur chaque point, sur tous les congés, vous aurez des erreurs à plusieurs niveaux. Alors, toujours dans l'optique de montrer un peu l'utilisation de Fusion 360, nous allons modéliser quelque chose comme une bouteille pour nous permettre de voir un peu l'outil Révolution. Et avec cette bouteille, nous allons mettre du texte autour de la bouteille. Alors, bon, je vais laisser cette boîte qui est là. Je vais créer une esquisse. Bon, je vais cacher les dossiers. Je crée une esquisse, je choisis la face sur laquelle je vais travailler. Cette fois-ci, je vais travailler sur la vue de face. Bon, si je vais être reçu, je clique là avant. Je vais travailler sur la vue de face. Alors, qu'est-ce que je vais dessiner? Une bouteille. Pour dessiner la bouteille. Alors, je vais dessiner une bouteille. Bon, je vais aller sur quelque chose déjà de basique. On va se dire, ok, la bouteille, c'est ça. On commence là, la moitié de la bouteille. On commence là. Bon, je crois que je vais utiliser l'outil ligne. Là. Alors, ça, c'est la moitié de ma bouteille. Si je veux voir la bouteille, si je veux voir l'esquisse de la bouteille entière, vous avez ici l'outil symétrie miroir. Ou bien vous cliquez sur créer, vous avez symétrie miroir ici en dessous. Donc, il vous suffit de choisir les différentes faces qu'on veut mettre en mode symétrie et de choisir l'axe de symétrie ici. En validant sur OK, ça donne la boîte entière. Mais pour l'instant, je n'ai pas besoin de la boîte entière. J'ai juste besoin d'une partie de la symétrie. Donc, j'ai dessiné mon esquisse qui correspond à l'esquisse de ma boîte. Je clique sur terminer l'esquisse. Je viens sur la maisonnette pour voir ça en perspective. Maintenant, il faut que je lui donne la forme ronde. Pour cela, vous avez l'outil Révolution. Soit vous prenez Révolution ici, soit vous prenez Révolution dans Créer, Révolution. En cliquant sur Révolution, vous avez déjà par défaut le contour qui est sélectionné. Si ce n'est pas le cas, il vous suffit de sélectionner la face qui est formée ici, de cliquer sur Axe de Révolution, donc Axe pour donner l'axe. Quel est votre axe? Si vous mettez ici, ça va tourner de l'autre côté. Or, notre boîte est censée tourner autour de cet axe. Donc, je clique là et vous voyez automatiquement ce qui se passe. Ça me forme la boîte que je veux. Bon, bien évidemment, ce n'est pas une boîte assez design comme on la désire, mais je peux la rendre encore intéressante avec des congés. Donc, vous avez par exemple ça. Ça vous permet déjà d'avoir votre boîte.
Alors ici, qu'est-ce que nous avons utilisé? Si vous regardez bien, nous avons créé notre esquisse. Première des choses, nous avons créé notre esquisse. Deuxième des choses, nous avons utilisé l'outil Révolution. Et troisième, nous avons amélioré les contours avec les congés. Et nous pouvons encore mieux faire en donnant le vide à notre bouteille. Alors, c'était un peu rapide. Moi-même, je sais que cette partie, c'était un peu rapide. Vous voulez que je revienne à partir d'où? C'est bon pour le moment. L'objectif, c'est de connaître l'outil. Et surtout l'outil révolution finale, c'est le sujet. Pour le moment aussi. Hein. Même si c'est... Ok, super. Donc, sur cette même bouteille, je vais revenir avec des paramètres. Donc, j'ai ici mon esquisse. J'ai ici mon esquisse qui est là. OK. Cette dimension qui est ici, ça équivaut à quoi? Je fais clic droit, modifier l'esquisse. Je vais donner une dimension ici. Pour cela, je vais donner une dimension. Pour cela, je vais aller dans modifier déjà. Je vais ajouter mes différentes variables. Alors, vu que nous avons déjà d'autres ici qui correspondaient au modèle précédent, je vais ajouter un nouveau ici. Je vais mettre des préfixes, donc BTE pour voir, pour montrer que c'est la bouteille. BTE, longueur. Alors, à la base, je veux une longueur, par exemple, de... Bon, une bouteille, ça fait combien de centimètres à peu près? 15, 20 centimètres. Bon, OK, disons 20 centimètres, donc 200 millimètres. Je rentre un autre. Alors, je vais rentrer diamètre BTE. Diamètre. Ici, je vais rentrer par exemple. Bon, je n'ai vraiment pas d'inspiration. Hein. Qu'est-ce que je peux mettre pour le diamètre de la bouteille? Bon, 50. Déjà, pour ces deux valeurs, si je prends là, de là, jusque là, j'ai ici BTE, longueur. Je peux déjà rentrer cette variable. Automatiquement, vous voyez, ça prend forme. Ensuite, on a dit diamètre. Donc, nous sommes d'accord que de là jusque là, c'est diamètre divisé par 2. Donc, je vais prendre là, là, BTE, diamètre divisé par 2. Bon, peut-être je n'ai pas choisi de bonne dimension, mais c'est à nous maintenant d'ajuster. Tout le reste va être contraint en fonction de ce que nous avons rentré. Les autres valeurs là ne vont pas changer. Là, je valide, terminé. Vous voyez bien, quand j'applique l'outil révolution, ça me donne CC. Quand je donne des congés, ça me donne CC. Bien sûr, ces congés, c'est un peu abusé.
Ensuite, je vide là. Donc, c'est vraiment accessible à tout le monde. Ici, je viens, je fais modifier les paramètres. OK, je réduis la hauteur parce que bon, ça m'allait un peu trop haut, trop long. Donc, bouteille longueur. OK, le client m'a dit, OK, c'est plutôt 180, donc 18 cm. Je fais ça, je change. C'est juste cette partie qui change parce que dans mon esquisse, je n'ai bloqué nulle part ici. Donc, si je donne une valeur ici, en disant par exemple, ça équivaut par exemple à, si la longueur c'est 180, ça c'est 10. Bon, ça, je peux peut-être bloquer ça. Bon, quelle valeur je peux donner ici? Bon, ça, je peux dire longueur, par exemple, divisé par 8. Ouais, je pense que ça peut me faire quelque chose comme ça. Donc, voici en quelque sorte Fusion 360, utilisé de manière assez simple pour pouvoir prototyper. Parce que pour prototyper, il faut tout le temps être en mesure de changer à chaque fois les valeurs, pouvoir répondre aux besoins. Et vous avez également Fusion 360 qui vous permet de concevoir directement sur votre CNC. Vous avez également la mise en plan. La mise en plan, par exemple, vous avez dessiné un modèle pour votre client. Je vais ouvrir un exemple. Je ne sais pas comment. Je vais faire la mise à plan de cet exemple pour que vous voyez un peu le dessin de la conception. Ça va? Oui. Le son, s'il vous plaît. Pouvez vous couper votre micro, s'il vous plaît? Qui ça doit être, Madame Maria, ou bien c'est non? Non, c'est Monsieur Amar, je crois bien. Salut, Amar. Okay, bon, je viens de le faire, micro. Alors. Amar. C'est bon. Ok, c'est bon. Je vous montre juste la mise en plan avec Fusion 360 pour rendre une fiche technique d'un produit. Et après, on met le texte sur notre modèle pour voir les différentes combinaisons. Et je pense qu'on pourra peut-être terminer avec ça. Désolé, c'est l'ordinateur qui est un peu lent. OK, donc vous avez votre fichier ici, vous placez la vue de base qui est là, vous avez l'échelle. C'est juste pour vous montrer, je sais que là, on ne peut pas tout comprendre avec ceci. Donc vous avez votre plan qui est là, vous pouvez afficher juste l'esquisse, tout comme vous pouvez modifier et afficher ici l'objet en lui-même. Vous pouvez l'afficher avec l'épaisseur de la bouteille. Bien, on pouvait afficher les deux comme ceci. Vous avez ici la vue en coupe. Non, nous allons déjà voir la vue projetée. Donc, ça vous permet ici de descendre avec ça. Tac, tac.
il faudrait qu'on voit ici. OK. Donc, vous avez ici votre objet, votre dessin que vous avez fait. Vous avez ici la vue projetée, là, la vue de dessus, la vue de dessous, la vue de dessus. Et vous avez les autres vues. Bon, ça ne sert à rien de faire ici la vue de droite, vue de gauche, puisque c'est une bouteille, ce sera pareil. Donc, c'est juste pour montrer que vous avez la possibilité d'intégrer tout ça ici. Et vous avez les côtes, vous entrez les côtes, il vous suffit de cliquer là et vous avez la côte qui s'affiche. Donc, ça vous permet de rendre un projet complet. Vous avez prototypé, vous avez tout fait, OK. Maintenant, vous voulez produire en série. Supposons que vous décidez d'envoyer en Chine pour que ça sorte par milliers, tout ça. Vous envoyez la fiche technique, vous envoyez le modèle 3D, vous envoyez tout. Et eux, ils n'ont qu'à prendre et intégrer dans les paramètres de la machine. Et vous avez exactement la même chose qui ressort. Alors, toujours sur ce modèle, nous allons prendre l'exemple du texte. Donc là, nous allons créer une esquisse. Bon, plutôt, nous allons venir là. Créer. Il est où là? Nous allons créer une esquisse. Nous allons choisir une vue. Alors maintenant, ça va me permettre de vous montrer aussi autre chose. Là, nous avons dessiné notre bouteille ici. La face, elle est au centre. Donc, si on veut travailler sur cette face, on sera forcément au centre. Donc, il faut qu'on décale pour sortir de là. Et nous avons ici ce qu'on appelle le plan de décalage. Dans Construire, vous avez plan de décalage qui vous permet de décaler à partir d'un certain plan. Donc, je clique ici et je décale. Je décale de combien? Vous pouvez donner une valeur bien précise. Mais moi, le plus important, c'est de sortir complètement de mon modèle. Je décale de 30. Je valide avec Entrée. Du coup, quand je crée une nouvelle esquisse, je choisis ce plan de décalage qui va me servir de base pour mon esquisse. Je viens d'en créer. Vous avez l'outil texte qui est là. Vous avez l'outil texte qui est là. Pour l'instant, on fait un texte simple. Je choisis la zone sur laquelle je vais écrire. Je rentre mon texte. Je modifie les paramètres comme bon me semble. Je peux mettre ici 10 ou bien je peux mettre la 25. Non. Je pense qu'en faisant le contour, je vais limiter ça à 15. Je valide avec Entrée. Alors, j'ai fait mon texte, je clique sur Terminer l'esquisse. Vous avez plusieurs méthodes pour pouvoir transférer le texte sur la bouteille. Je peux transférer en utilisant l'outil extrusion, mais ça va me faire beaucoup de calculs parce que je vais cliquer sur extrusion, je vais choisir la forme, ainsi de suite. Mais nous allons traverser cette étape. Vous avez un outil direct que Fusion vous a intégré, gravure en relief. Alors, pour avoir gravure en relief, vous allez sur Créer et vous avez la gravure en relief. Quand vous cliquez sur gravure en relief, on vous demande le contour d'esquisse avec lequel vous voulez travailler. C'est celui-ci. On vous demande la face sur laquelle vous voulez envoyer cela. C'est ceci. Ensuite, on vous demande, les faces sélectionnées ne sont pas correctes. Il y en a qui se chevauchent. Alors, il y avait une erreur au niveau de notre esquisse. Oui, je vais enlever. Ça, c'est avec les variables. Puisque l'autre n'a pas de variable, je vais d'abord enlever la partie de la coupe. Je vais d'abord enlever la coupe. Et je reviens avec Crier. Gravure en relief,
Conto. Alors, d'où vient le problème? Excusez-moi, je vais juste faire quelque chose pour isoler les deux. Parce que c'est surtout cette fonction que je vais vous montrer. Donc, je ne vais pas forcément m'attarder un peu sur l'ensemble. Alors, donc ça veut dire que l'erreur vient du bas. Alors, normalement, ça devrait aller. Bon, c'est par rapport aux variables que nous avons intégrées tout à l'heure. C'était un exemple très rapide, donc les variables intégrées n'ont pas vraiment été respectées pour des contraintes, quoi. Donc ici, vous avez plusieurs méthodes. Donc, je reviens sur cette partie. Vous avez ici l'outil d'en créer. Vous avez l'outil gravure en relief. Quand vous cliquez sur gravure en relief, vous sélectionnez déjà l'esquisse que vous voulez utiliser. Ensuite, vous choisissez la face sur laquelle vous voulez transférer cela. Et vous avez ici deux options. Soit vous faites en relief, soit vous faites en mode de perçage creux. Donc, nous allons utiliser l'outil de gravure en relief et nous allons changer ce qui ressort 1 mm, par exemple, ou bien 1,5. Et nous validons avec entrée. Donc, nous avons ici notre dessin qui va sur notre forme. Notre texte qui va sur notre forme. Est-ce que vous avez une question en particulier? Il ne faut pas hésiter à poser, parce que j'ai un peu l'impression que je suis en train de faire un cours magistral. C'est dommage, la modélisation avec Zoom comme ça, et on n'a pas vraiment une interactivité avec ceux qui travaillent. Allô? Oui, allô, on est toujours dans le bain aussi. Avec votre logiciel, vous avez réussi à avancer? Vous êtes au même niveau? Bon, pas tellement, mais comme je vous le disais tantôt, on suit les outils que vous utilisez. C'est ce qui est important aussi pour nous. D'accord. C'est justement ce qui est important, parce que rien ne sert, je dis que voilà, on prend un exemple qui ne sert pratiquement à rien et voilà. Donc, je pense que dans l'ensemble, je pense que j'ai tourné, je suis allé sur ces différents points, dans interface graphique et utilisateur, modélisation d'un exemple basique, notion de modélisation paramétrique et cas pratique. Donc, je pense que j'ai essayé de faire un peu le tour. Je ne sais pas si vous avez des questions en particulier, mais je pense que pour moi, c'est bon à ce niveau. À moins que vous n'ayez quelque chose de bien précis sur quoi intervenir. Bon, pour moi, j'aurais pu vous demander quelque chose. Je ne vous entends pas bien, s'il vous plaît.
pour moi, je dis pour moi, bon, pour la modélisation avec Fusion 360, tout à l'heure, je me suis posé la question pour savoir. Peut-être ça ressemble un peu à ce qu'on a l'habitude d'utiliser les autres logiciels qu'on a l'habitude d'utiliser ici. Pouvez-vous me donner un peu une différence entre ce logiciel et les autres logiciels qu'on a l'habitude d'utiliser, comme SketchUp par exemple? Alors, pour montrer l'exemple, je pense que pour montrer quelques différences, déjà, sur SketchUp, j'ai du mal à bien vous entendre. Je sais pas si la question est terminée ou bien vous avez dit autre chose. Si la question est terminée, je vais vous dire. Ok. Donc, si on prend l'exemple de FreeCAD, FreeCAD et ce logiciel, je dirais que c'est pratiquement la même chose. Pratiquement la même chose, mais moi, je ne travaille pas trop avec FreeCAD. Je travaillais avec FreeCAD, mais de manière très basique. Je n'ai pas utilisé de paramétrique là-dessus. Mais si on prend l'exemple de SketchUp. Si on prend l'exemple de SketchUp, déjà, il y a le fait de pouvoir revenir sur une dimension. Pour mieux m'expliquer, j'ai déjà lancé SketchUp, je vais vous montrer. Excusez-moi, j'ai dû me déconnecter. Ok, donc là. Bon, je vais faire quelque chose de simple. Je dessine mon carré. Je rentre mes valeurs. Ici, mes valeurs sont en mètres, mais on ne va pas trop se casser la tête dessus. On va juste se dire, OK, 10 fois 10, par exemple. 10, point virgule, 10. Vous voyez mon écran, n'est-ce pas? Oui, on le voit. Oui, 10 fois 10, je valide. Donc, j'ai ça, par exemple. Je donne ici le volume. Je mets 10. Je pèse. Je pense que vous allez voir vous-même l'exemple de la différence de manière très rapide. Je mets ici 2. Je pèse. Je pense que, bon, vu que vous travaillez déjà sur SketchUp, vous voyez que ça, je n'ai pas besoin de revenir dessus. Maintenant, Le client vous a dit, vous ne connaissez pas la modélisation paramétrique, vous connaissez la simple modélisation normale avec Fusion. Le client vous dit, ce côté, c'est plutôt de 3 cm. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir ici, vous allez baisser comme ça. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Vous allez baisser. Maintenant, supposons que vous avez intégré quelque chose... Vous avez intégré quelque chose comme ceci. Supposons que vous avez fait ça. Alors, pour baisser, comment vous allez baisser?
Là, ça va vous demander de reprendre beaucoup de paramètres. Ou bien, vous pouvez décider de mettre à l'échelle, vous allez me trouver des combinaisons. Mais regardez la même chose avec Fusion 360. La même chose avec Fusion 360. Je crée mon esquisse ici. J'avais dit 10 fois 10. C'est exactement la même chose. Ensuite, je crée une esquisse, je suis ici. J'avais mis quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Je pense que j'avais mis quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. Ou bien moi, OK. Je ne veux pas me fatiguer la tête. Je pense que je vais utiliser ça, deux points. Un point ici, un deuxième point ici. Je pense que je vais faire ça. Je fais exactement la même chose comme sur Fusion, comme sur SketchUp. Ensuite, ça, j'avais retiré. Ensuite, maintenant, on me dit, OK, il faut diminuer. Qu'est-ce que je fais? Je viens sur mon esquisse de base. Je viens sur mon esquisse de base, modifier l'esquisse. Déjà, je peux changer cette dimension. D'ici, je peux mettre 7,5, comme bon me semble. Mon fichier est toujours là. Je peux venir ici, modifier la fonction. Non, c'est cette fonction. Je peux venir là, modifier la fonction. Mon volume qui est là, je peux changer 7,5. Et vous voyez, donc, il s'applique à l'ensemble des événements qui se produisent sur notre fichier. Donc, avec Fusion 360, vous avez la possibilité de changer les valeurs à n'importe quel moment de votre modélisation. À tout moment, vous pouvez affecter les valeurs. Or, avec SketchUp ou bien avec un autre logiciel, bon, peut-être pas FreeCAD, FreeCAD, on peut modifier aussi les valeurs. Avec SketchUp, si vous décidez de changer ceci, vous ne pouvez pas dire que vous mettez ceci en pause, cette partie en pause, vous dites que vous allez d'abord changer ça. Quand vous appliquez, ça s'applique en touchant directement à l'autre côté. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Oui, d'accord. Je vois la différence. Il y en a assez de sorte que, bon, voilà, comme ça, je ne pourrais pas répondre de manière assez explicite. Ok, c'est bon. Je vois la différence. Les différences. C'est bon. Je pense que putain. Pardon. OK, donc je pense, je ne sais pas s'il n'y a plus de questions. Je vais laisser la main à mademoiselle Gloria. Salut, Suri. Oui, bonsoir. Comment tu vas? C'est Modou. Hey, Modou, ça fait longtemps là. Oui, ça va. On s'est abandonné pour ne pas dire qu'elle était abandonnée. Oui, mais merci quand même pour le cours magistral là que tu as fait. C'est super, hein, franchement.
J'ai vu les gars ont beaucoup aimé, ils ont posé des questions. C'est super fort. Franchement. Ouais. J'étais un peu pris là, mais j'ai vu que vraiment ils sont super intéressés. C'est super sympa. Quoi. Donc, oui, j'imagine. En fait, le plus compliqué, c'est que chacun ait le dossier devant lui pour pouvoir interagir. Donc. Mais sinon vous avez mes contacts. N'hésitez pas s'il y a une question, parce que même avec Fusion 360, vous pouvez agir directement pour générer votre G-code. Ouais, super. Donc, vous pouvez générer votre G-code et vous avez aussi la possibilité d'intégrer le slicer à Fusion 360. Je vais prendre l'exemple de ceci. Vous voyez toujours mon écran, n'est-ce pas? Oui, donc vous avez ici dans l'outil. Oui, on voit votre écran. Dans outil, vous avez ici créer. Bon, bien sûr, il faut installer. C'est un plugin qu'il faut ajouter. Donc, vous allez sur Google, vous tapez Slicer Fusion 360, ouais, je crois quelque chose comme ça. Vous allez installer. Et c'est très pratique en tout cas. Si vous voulez sortir des fichiers que vous avez modélisés en 3D, les sortir sur une CNC par exemple, vous avez des slicers, ils vous permettent de découper cela. Donc, on va mettre ici maximum. Sélection, on va prendre celui-ci. Bon, je pense que normalement, dans la théorie, la formation est terminée. Donc là, c'est, disons, on va réinstaller ça. Bon. Alors, je vais vous partager l'écran avec Slicer. OK. Vous voyez mon écran avec Slicer? Oui. Donc, vous avez Slicer. Bon, c'est vrai que ça, ce n'est pas un modèle extraordinaire qu'on peut vraiment visualiser. Mais bon, ça va permettre de voir au moins les choses. Oui. Ici, ça vous donne les différentes couches que vous allez sortir avec votre CNC. Ici, vous pouvez choisir la direction avec laquelle vous voulez faire des découpes pour votre assemblage au final. Et ici, bon, là, il vous permet de montrer les différentes étapes d'assemblage. En tout cas, ce sont des outils des éléments très utiles. Donc ici, voici votre premier fichier. Voici votre première pièce que vous allez sortir avec la CNC, ainsi de suite. Et il vous montre ici comment assembler. En tout cas, c'est très pratique. Bon, là, j'avais choisi. Vous pouvez choisir d'autres choses. Hein. Vous pouvez choisir ça. Donc, pour vous montrer un peu comment ajouter. Et ici, vous avez vos fichiers qui sortent. Vous voyez, n'est-ce pas? Ça sont vos fichiers. Donc, vous allez sortir avec la CNC et il va vous ressortir exactement le même fichier. Bon, c'est dommage que j'ai choisi le cube bizarre qui était coupé, mais si j'avais choisi la bouteille, vous aurez vu exactement la même chose. Là, je vais ouvrir un autre fichier. Bon, dans l'ensemble, c'est ça. Je ne sais pas, mademoiselle Gloria ne veut pas prendre la main ou bien... pardon, monsieur, oui, je suis là. Non, pas de souci. J'ai eu mon logiciel s'est déconnecté, donc Fusion s'est déconnecté. Ah, d'accord.
Mais je pense que nous avions déjà traversé l'ensemble. Ok, d'accord. Donc, je vais demander si quelqu'un a une question. S'il y a une question, je peux déjà la poser et M. Cyril pourra y répondre éventuellement. C'est bon. Alors, je ne sais pas si M. Gildas a une question. Madame Marianne, vous avez une question à poser? Ah, oui, ce sont le V. Bon. S'il n'y a pas de questions, je vais vous laisser la parole et puis vous allez couper. Donc déjà, je suppose que tous ceux qui se sont connectés ici font partie d'un lab. Donc je vois Dakar et tout. Mais c'est le lab de Bamako. Oui. Et Congo qui est en ce moment au Sénégal, c'est bien ça, n'est-ce pas? À l'occasion du FAPCO, si je ne me trompe pas. Allô? Oui, allô? Oui, la question, je n'ai pas compris la question. Non, en fait, je suis juste en train de refaire un tour. Je vois Dakar. Je vois le Fab Lab de Bamako et je vois le Congo qui est en ce moment au Sénégal. Je voulais juste prendre la confirmation. Ah, ok, d'accord, oui. Justement, Amar, c'est l'un des jeunes étudiants du Lab de Bamako. Donc, j'ai fait une semaine, la semaine du 7 au 11 où j'étais là-bas. Donc, c'est les premiers, c'est les étudiants en master en informatique. Et c'est avec eux qu'on est en train de monter leur lab dans l'établissement. Et raison pour laquelle ils participent. Donc, je pense qu'il s'est déjà présenté. Donc, voilà. Oui. Donc, oui, c'est ça. J'aurais une question. Est-ce que ça va être possible d'avoir l'enregistrement à la fin de la réunion pour que je puisse montrer aux camarades du lab? Oui, je vais mettre ça sur le compte YouTube de RIFAO. Et ensuite, on va partager avec tout le monde. D'accord, merci. Ok, merci. Donc, au départ, donc déjà, je vais vous remercier pour votre présence, pour le temps que vous avez accordé. Donc déjà dans le cadre de partage d'expérience au sein du RIFAO, donc il y avait les propositions IoT et tout ça, mais en ce moment par faute de matériel, donc j'aurais pas pu faire cette formation. Mais au besoin, je pense qu'on pourra peut-être échanger avec les formateurs les responsables du RIFAO, et voilà, pourquoi pas essayer un de ces jours organiser des formations autour de tout ce qui est IoT. Déjà, je vous remercie et bonne fin de week-end à tout le monde. Alors, merci, bonne journée. Oui, merci M. Cyril aussi pour votre disponibilité. Merci d'avoir permis ce partage d'expérience. Donc, je vais prendre, ou plutôt je vais essayer de partager votre mail avec l'ensemble des participants, tout le monde du réseau. Comme ça, ils pourront vous contacter s'ils ont d'autres questions éventuellement, mais s'ils ont des zones d'ombre par rapport à l'utilisation du logiciel, justement. Donc, merci à vous, merci à tous les participants également. Comme le disait M. Dodji, la vidéo sera disponible sur le compte YouTube du RIFAO et on va aussi le partager à tout le monde. Donc, je ne sais pas si M. Dodji a d'autres choses à ajouter, comme ça, on ne peut pas conclure.
Apparemment, non. Donc, OK. Donc, merci à tous pour votre disponibilité et passez une agréable soirée. Merci, Monsieur Cyril. Merci à tout le monde. OK.